Et voilà, Shogae Nicolas sur l'obstacle numéro 2, bien franchi. Passage en souplesse de la branche basse. Bien. Et ce couple aborde les petits Cavaletti avec derrière l'option haute sur le 5. Et c'est plus lourd. Il rentre dans le parc à moutons, obstacle numéro 6. Et un enchaînement de 3 obstacles. Le 7, branche basse, le pont, obstacle numéro 8, suivi d'un saut qui était un peu lourd. L'obstacle numéro 10 bien franchi et on aborde la ligne de 3 obstacles. Bien franchi également. Avant de se diriger vers l'obstacle numéro 12, travaille les deux rênes dans une main. Le cavalier fait un cercle complet autour du poteau, puis aborde la porte. Bien. Ah. Et voilà. Il suffisait de lui expliquer. Il a compris. Le cavalier sort et referme la porte derrière lui. Ah non, la porte ne s'est pas refermée. Le cavalier doit recommencer donc le petit boulot. Ça sert d'avoir les bras longs. Ah, la porte s'est fermée, mais c'est un peu claqué. Voilà, c'est pas mal du tout. On peut applaudir la petite Nicolas et son Tchoga.